23 et Jérémy Couture, donc c'est un temps 25. Alors la piste a été copieusement arrosée, car vous savez sans doute qu'avec la sécheresse actuelle, la poussière aurait été intense et qu'il était préférable d'arroser plutôt trop que pas assez. En arrosant, vous l'avez vu les années passées, en arrosant pendant la queue, eh bien c'est une façon comme une autre de tuer le spectacle. J'espère qu'avec le temps et le vent, cela va s'assécher, mais pour l'instant, ça peut tourner. Le numéro 42, Frédéric Deville et sa camionnette. C'est pas habituel de voir des camionnettes sur les circuits de Stuttgart. C'est des compétitions qui engagent que des petites voitures de 4 mètres maximum de longueur, des petits gabarits. La camionnette est tolérée une fois de temps en temps. Alors, elle est si lourde que ça, cette camionnette? Alors, Frédéric Deville a redémarré son moteur, la fumée, vous voyez, c'est le peu d'huile qui, pendant qu'il était sur le toit, est descendu sur la tête de Vincent, dans les coupables, et qui est évacué maintenant. Allez, on a remis Anthony Assadé au centre de la piste. Non, il y a l'huile qui est tombée sur l'échappement, vous inquiétez pas, c'est pas grave. En principe, c'est que ça. Non, non, vous appelez pas. Alors, vous voyez, ça brûle encore, les garçons, ça brûle encore en dessous. Enfin, ça aurait pu finalement. En principe, quand une voiture fait un tonneau, il y a de l'huile qui peut descendre sur l'échappement par l'ordiflamme, suivant les guides de moteur. Et c'est cette huile chaude. Oui, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, c'est des sables. C'est cette huile chaude qui prend feu au contact de l'échappement rouge. Voiture numéro 19 qui se profile. Sur le côté, c'est encore, je pense, la camionnette. Pour l'instant, la terre est encore trop grasse pour qu'il réussisse ces tonneaux. Mais je pense qu'il y a encore une manche humide comme ça. Et on trouvera une terre ferme.
pilote de s'exprimer. Maintenant, pour moi non plus, il est tout de suite. Bonne résistance à l'attaque du 95 par le 31. Alors Pascal, si c'est numéro 15. Alors actuellement c'est le 95, Jérémy Coupure qui est en tête. Alors problème pour le 43 Pétouillard. Alors, en sécurité, le 31. La CK sur le zéro et ça repart. Juste derrière.
dépassé 19. C'est finalement le 95 qui l'a emporté. 10 mètres avant, il a pris l'avantage sur le numéro 19. Bon, ça a été une petite manche, on va dire, avec... on va vous donner du classement, c'est Thierry, dans quelques instants. On va demander au tracteur de bien vouloir intervenir au maniscope pour dégager le circuit. Et les pilotes du groupe B se préparent pour leur première manche à poser.